Dansez à vous ce jeudi 2 mars, Fabrice Luchini a laissé un joli message à Danny Boone, son partenaire dans Mon Crime, le nouveau film de François Ozon qui sort le 8 mars prochain. Ce jeudi 2 mars, pour l'avant-dernier C'est à vous de la semaine sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine recevait Danny Boone et Nadia Terezkevich ainsi que le réalisateur François Ozon pour le film Mon Crime qui sort en salle le mercredi 8 mars prochain. Les deux acteurs incarnent respectivement Palmared et Madeleine Verdier. Ce film réunit également d'autres pointures du cinéma français comme Isabelle Huppert, André Dussolier, Daniel Prévost, Régis Laspalès ou encore la jeune actrice de 27 ans, Rebecca Marder. Un autre acteur également présent dans le film de François Ozon était toutefois absent du plateau de C'est à vous, Siesti Fabrice Luchini. Ce dernier était venu sur le plateau en février dernier à l'occasion du film Un homme heureux qu'il joue avec Catherine Fraud. Danny Boone sympathique, jovial, humble et intelligent pour Fabrice Luchini, l'acteur de 71 ans a profité de la présence de son camarade de film, Danny Boone, pour lui laisser un message à distance. Un message plein de sympathie et de compliments à l'égard de l'acteur, Danny Boone, Siesti un dossier passionnant parce que, en plus d'être un acteur remarquable, il a une vertu. Danny Boone a une qualité, Siesti qu'il est intrinsèquement sympathique mais au sens large. Il a une capacité à raconter des histoires. J'aime énormément les acteurs qui ne se la jouent pas sérieux entre les prises. Et d'ajouter, quand tu vois un mec intrinsèquement sympathique, jovial et en même temps, humble et intelligent, j'y vais en qualité avec le Danny Boone. Les deux acteurs avaient eu l'occasion de jouer ensemble dans Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté en 2012. J'ai adoré tourner avec lui, touché et agréablement surpris par le message de son partenaire de film, Danny Boone n'a pas manqué de réagir face à Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs, il est intrinsèquement drôle, intelligent, j'ai adoré tourner avec lui, la comédie Siesti de l'écoute et du partage. Le message de Fabrice Luchini à l'égard de Danny Boone témoigne même des liens qui se créent durant les tournages. Et si est-il le cas de le dire? À lire aussi Je me suis uriné dessus, Kad Merad et Danny Boone font de nouvelles révélations sur la scène culte de Bienvenue chez les Ch'tis.